Je vous prie de vous asseoir. J'appelle Monsieur Hissène Abré au prétoire. Nous aimerions savoir est-ce que M. Hissène Abré dispose d'une défense, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des avocats qui sont consultés et présents dans la salle pour sa défense. Nous n'en voyons pas du tout. Suivant la procédure, nous sommes obligés de commettre des avocats d'office pour assurer les droits et les intérêts de M. Hissène Abré. L'audience est suspendue. Demande du silence dans la salle au risque de faire l'objet d'une expulsion. Monsieur Hissène Abré, c'est la chambre qui a ordonné qu'on vous amène devant elle. Un organisme illégal, hors la loi. Soit. Mais en attendant, c'est elle qui a la charge de vous juger. Et pour cela, elle ne transige pas. Que vous soyez consentant ou non, elle a ordonné que vous soyez amené de force. Et en tous les cas, force reste à la loi. Je voudrais dire que les crimes commis par le régime de M. Hissène Abré ne sont pas une fiction ou une simple légende. Quelle est la responsabilité de M. Abré dans ce désastre? Pour la Commission, nous sommes convaincus que cette structure a été conçue et planifiée et voulu par M. Abré pour soumettre, pour terroriser d'abord et soumettre les populations tchadiennes. Parce que c'est lui qui a créé cette institution, la DDS, par décret numéro 005/PR, en date du 26 janvier 1983. Et si vous prenez l'article premier de ce décret, il est dit directement subordonné à la présidence de la République en raison du caractère confidentiel de ses activités. La DDS, c'est l'affaire de Abré en personne. C'est sa chose à lui, d'après les témoignages, d'après les documents que nous avons reçus à la DDS. La commission a estimé le nombre de personnes mortes à 40 000 victimes. L'intime conviction de la commission, et c'est un chiffre minima,
un minimum. Vous croyez à la parole. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment? Oui, ça c'est la piscine, c'est-à-dire la prison piscine, qui est une piscine qui a été dallée et transformée en des petites cellules. Mais seulement, vous voyez, c'est du béton armé. Et au Tchad, dès le mois de mars, la température souvent varie entre 35 et 40. Et plus on avance vers avril-mai, elle va jusqu'à 40-45. Donc, les détenus qui sont mis dans ces cellules souffrent atrocement de la chaleur. Sur quoi vous vous fondez pour dire que les ordres d'arrestation, d'exécution et de libération des détenus venaient directement de la présidence? Je vous ai lu des déclarations de Salih Younous, il y en a d'autres, à Bougren, il y en a d'autres CDPV qui sont là, où ce sont des agents qui ont assumé le rôle dans l'organisation matérielle et dans le fonctionnement de ces services-là. Monsieur Salih Younous est quelqu'un qu'il a nommé à la tête de cette institution. Il lui rend compte quotidiennement et il reçoit aussi des ordres quotidiennement de monsieur Habré pour faire son travail. Mais y a-t-il des écrits? Pour le moment, ici, j'ai les témoignages. J'ai les témoignages de M. Salih Younous, j'ai les témoignages de M. Mohamed Jibrin, on a les témoignages de ces hauts chefs de service qui ont travaillé dans le secteur. Commencer à nous relater les faits dont vous avez connaissance et que vous souhaiteriez partager avec la Chambre. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, en 1988, j'ai été accusé faussement, enfermé dans des conditions inhumaines. Pendant 2 ans et demi en prison, j'ai vu mes camarades, mes co-détenus, mourir de faim, mourir de torture et mourir de maladie. Du fond de ma cellule, compte tenu de cette folie, j'ai juré devant Dieu de lutter pour la justice si je m'en sortais vivant. Je suis le président fondateur de la toute première association des victimes. Avec mes camarades et avec l'aide des organisations tchadiennes et organisations internationales, nous avons combattu pendant 25 ans en faveur de justice. À cause de cet acharnement, j'ai été renvoyé de mon travail de fonctionnaire international. J'ai été menacé par les sbires de Hissène Habré. J'ai dû m'exiler aux États-Unis où j'ai reçu les statuts des réfugiés politiques. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, cet acharnement a porté des fruits, c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Je vous invite donc à écouter mon histoire. Je vois ma femme qui sort du taxi, qui se dirige vers moi. Elle me dit, il y a des agents de la DDS qui sont allés me chercher à la maison pour m'arrêter et ils ont déjà arrêté mon cousin. Ne t'inquiète pas, je n'ai rien à me reprocher et je suis sûr que par la volonté de Dieu, je reviendrai.
nous sommes allés à la direction et il m'a conduit dans la salle interrogatoire. Monsieur Souleyman, tu sais le pourquoi que tu es ici? Bon, moi j'ai l'habitude de parler à haute voix. Quand je lui ai dit, non, je ne sais pas, il y avait à sa droite un monsieur très trapu en tenue combat, avec son fusil, il m'a rossé sur la tête à deux mains. Et vous regardez ma tête, nous sommes à plus, presque 30 ans, je n'ai jamais trouvé la solution pour les guérir. Même aux États-Unis, on a fait des cultures plusieurs fois. Quelques deux minutes, je me suis ressaisi. Il me dit, tu sais pourquoi on vous a amené ici? J'ai dit, je ne sais pas. Mais parle et dis la vérité, sinon, regarde, à ta droite, nous avons l'installation de matériel électrique qui peuvent te contraindre à dire la vérité, si tu ne dis rien. Alors, après, il dit, Abba Moussa, il faut l'amener. Et il m'a amené pieds nus vers la Picop Bâché, une 404 Picop Bâché, immatriculée 1247. C'est comme ça, Abba Moussa, il me conduit au camp des martyrs. Il me dit toujours en arabe, Delhi, yala Delhi, c'est-à-dire, allez, descends. Et il me met dans la cellule, mais c'est comme si je suis rentré dans un caniveau. Même le dos de mes pieds était dans l'eau. Je vois des choses qui me piquent partout aux pieds. C'est un sol qui est craché avec des bétons et c'est comme des lames de rasoir. Et vous, vous les touchez, ça vous pique et c'est fait exprès. Mais j'ai trouvé que c'était impossible. Je me suis rendu compte qu'il y avait une fenêtre percée au plafond où il y avait des garde-fous. J'ai cherché à grimper en haut. J'ai attrapé les garde-fous, j'ai tendu un peu mes jambes contre l'autre mur et c'est là où je voulais passer assez du temps sans laisser longtemps mes pieds dans l'eau et sans me faire piquer tous les temps. Et les moustiques m'empêchaient d'être accroché aussi. Et dès que je suis vraiment fatigué, je redescends dans l'eau et je ne peux pas supporter dans l'eau. Et, tu sais, j'avais une chemise manche courte. Et tous mes bras s'étaient devenus comme j'étais atteint de varicelle. Et jusqu'à toute la nuit, mes yeux, c'est comme on m'a mis du sable et ma tête allait s'éclater parce que mes oreilles même étaient pleines de moustiques. Je suis resté dans cette cellule-là 3 jours. Sincèrement, j'ai vu ma première nourriture le 3e jour qu'on m'a mis déjà. J'ai essayé de manger ces riz. Mais je n'ai pas pu le toucher avec mes dents. C'est comme si c'était le sable qui dominait sur les riz. Mais ces riz même, franchement, vous les donnez aux animaux, ils ne vont pas les manger. Ça, je vous assure. Donc, c'était aussi la cause de nos maladies. Les agents de la DDS l'appelaient Sabagalmout. Qu'est-ce que cela veut dire, Sabagalmout? Qui court plus vite que la mort. Je cours plus vite que la mort. Abba Moussa m'a nommé ici. Comment vous avez fait pour décompter avec précision le nombre de morts dans la détention? Je récite 900. Je compte sur 900. Demain matin, vous connaissez. 10, 20, 30, je connais, khalas, 930, ainsi de suite, jusqu'à 2053. Vous avez tout à l'heure dans votre déposition dit que lorsqu'on vous a amené à la présidence, les questions qui sont libellées sont des questions rouges. Je voudrais savoir, pourquoi rouge? Est-ce qu'il y a des questions d'autres couleurs? Mais c'est un rouge là. Les tortionnaires nous disent, question d'un rouge, ça vient d'en haut. Tu dois répondre. Parce que si tu ne réponds pas, torturé à mort. Relativement à son traumatisme, quand il dort avec sa famille, ses enfants, il se lève et il parle avec lui-même. Je voudrais savoir, est-ce que jusqu'à présent, il continue à connaître
ce genre de pathologie de traumatisme? Oui, jusque-là. Mais je suis condamné à rester comme ça. Comme j'ai la moral en haut, je ne peux rien faire. Allez, qui va me soigner, qui va me traiter? Personne. Je suis condamné à rester comme ça. C'est à cette époque-là qu'il a été pris comme un Libyen. Et c'est bien lui qui est là. Oui, c'est ma photo. C'est ma photo à moi. C'est quand j'étais heureux. C'est ça. Comment je suis en forme, on m'a déformé. Vous remettez comment... ça. Vous avez été cité pour venir témoigner devant cette chambre. Les prisonniers, leur maladie était plus la malnutrition. Vous allez voir quelqu'un qui est gros. Vous dites qu'il a plus de poids. Or, c'est des œdèmes. Manque de repas. Et les œdèmes, quand ça pénètre dans le poumon, il n'y a pas de solution. L'autre maladie, je crois que c'est la même chose. La gencivite, c'est la gencive. C'est toujours dû à un manque de vitamines. Il y a des fois où le type, il met la main comme ça pour laver les dents, là, les dents tombent. Tout est des plaies, tout est gonflé. C'est ce qui fait que beaucoup sont morts. Mais ce que je veux savoir, est-ce que c'était une décision délibérée de ne pas s'occuper de l'alimentation correcte des détenus? Ou bien c'était une situation qui résultait des problèmes budgétaires que rencontrait peut-être le pays. Mais pourquoi les militaires mangeaient bien et puis non les détenus? D'accord. Donc vous pensez que c'était délibéré? Et voilà. Voilà, donc c'est bien. Le présentant, il est venu, vous l'avez vu vous-même, de vos propres yeux? Deux fois. De vos propres yeux? Deux fois. Il vient par surprise dans l'après-midi. En tant qu'infirmier, est-ce que vous arrivez de constater des décès? Quand il fait chaud, là, il y a trop de décès. Dans toutes les prisons? Toutes les prisons. À peu près combien de décès par jour? Bon, parfois 3, 4, même aller jusqu'à même 8. Est-ce que les morts étaient enlevés immédiatement ou bien il y avait des morts qui pourrissaient? Il y a des fois où ils gardent jusqu'à demain aussi, c'est vrai. Dans votre déposition, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que c'est Abakar Torbo qui vous dictait ce qu'il fallait mettre sur les 7 frais de décès. Oui, mais je connais bien le vrai problème. Mais il me dit de faire ça. Pourquoi vous acceptez de coucher des causes de la mort sur sous sa dictée? C'est une contrainte. Tu n'acceptes pas, tu vas aller où? C'est dur. Ça, c'est courir au risque si vous décollez. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de vous demander, est-ce qu'il y avait un médecin? Un médecin, c'est-à-dire un docteur en médecine, un médecin. Non. Qui faisait de temps en temps des tournées. Non. Qui venait vous voir. Pas du tout. Jamais. Jamais. Vous étiez donc au cœur du système de répression. Je ne peux pas nier que j'ai travaillé à la DDS, je ne peux pas nier. Je ne le dis pas méchamment, mais c'est à ce type d'ailleurs que vous nous intéressez beaucoup au niveau de l'accusation. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entendu, voilà, je peux le dire. Pour délit, les codes, etc., semblaient dans cette ferme pour rallier les fentes, subitement débarquent des hommes armés. Quelle est l'unité qui était venue pour attaquer avec surprise ces combattants Kodo qui étaient désarmés? Donc, Delhi était une ferme.
Donc, il y a eu des habitations, il y a eu des bâtiments qui sont appropriés pour pouvoir, par exemple, parce que les Kodos, quand vous les regroupez, ils sont avec leur famille, les enfants. Il y a eu des discussions, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un détachement de l'armée qui était venu, c'était les fentes, et qu'ils ont tiré sur les gens. Et les gens, ce n'était pas seulement que des militaires, parce que dans la ferme, il y avait aussi des civils. Bien, mon témoignage porte sur un certain nombre de faits d'exactions qui se sont produites dans la sous-préfecture de Koumra. Nous avons remarqué l'arrivée massive de forces armées appelées FAN à Koumra. Quand ils sont arrivés, ils ont convoqué une grande réunion à laquelle ils ont convié toute la population. J'étais présent à cette rencontre. Il ressort que toute la population de Koumra est Kodo, ou ils sont complices des Kodo. Les vieux sont les pères des Kodo, les vieilles femmes sont les mères de Kodo. Les femmes sont les épouses de Kodo. Qui liront à moi cela à la recherche de ces Kodo? Mais qu'à leur retour, ils ne resteront rien qui respire à Koumra. Voilà, Monsieur le Président, en substance, leur message. Là, ils ont abattu un infirmier du nom Jonas. Cet infirmier est envoyé par l'église baptiste pour préparer la bouillie enrichie parce que c'était la période d'une grande famine. Ils ont également exécuté ce jour sur place trois autres personnes qui l'assistaient dans la préparation de la bouillie. En sortant en direction de Koumra, les fans ont tué une autre personne à la sortie du village de Doro. Quand ils sont arrivés à Koumra, ils ont arrêté M. Rimoyale Etienne, qui est un grand commerçant et en même temps deuxième maire adjoint de la ville de Koumra, lui et son secrétaire. Ils seront exécutés le 30 août. Ensuite, le 3 septembre, ils ont arrêté M. Dima Doumaï Omer, un instituteur. À 19 h, ils se sont rendus chez mon oncle, Dima Sarana Indambang, qui était le médecin-chef de l'hôpital central de Koumra pendant ce temps. Le 4, très tôt, ils sont allés les exécuter sur la route qui va à Sar, à environ 6 km de la ville. Quelle lecture faites-vous face à ces exécutions qui n'épargnent personne? C'est des exécutions délibérées, arbitraires. Il y a une intention, je crois, d'éliminer les gens, particulièrement des cadres. Merci, Monsieur le Président. Le témoin a répondu à ma question. Maintenant, parlons de la répression des Adjeraï. Oui. Pouvez-vous revenir sur les événements phares qui ont déclenché cette répression? Le problème s'est situé en trois phases. Il y avait la mort brusque d'abord d'Idriss Miskine. Il était le ministre des Affaires étrangères qui était dans le gouvernement du président Issa Lamré.
Mais les Algériens qui sont même en fonction au sud, qui sont à l'est, qui sont à l'autre, sont arrêtés. Il est vrai que, bon, voilà, si on a arrêté, c'est à cause de leur ethnie, c'est effectivement. Y avait-il une commission chargée de l'arrestation des Algériens? Salienus, ou c'est pas le directeur, a désigné une commission qui, voilà, qui est chargée pour arrêter, auditionner les Algériens. Donc une précision, les fiches d'audition, oui, provenant des auditions, elles étaient destinées à qui? Oui, au président, oui. C'est maté président. Même, d'ailleurs, à son excellence, monsieur le président de la République. Après l'arrestation des Algériens, que devenaient leurs biens, leurs maisons? Ces biens étaient redistribués aux éléments de, soit de la BCI ou de la DDS, pour ceux qui en font la demande. Lorsque les Algériens étaient arrêtés, oui, les gens libérés qui revenaient chez eux n'avaient pas le droit de réclamer leur maison ou bien leur bien. Pourquoi? Mais parce que vous imaginez un officier ou un type de DDS qui occupe une maison, il ne peut pas venir réclamer. Donc voilà, pour eux, c'était. Il y avait des officiers de la DDS qui habitaient ces maisons. Je m'appelle Mohamed Nour Dadji. Je suis le fils de M. Mohamed Dadji et de Hersh Kabira. C'était autour de 23h30 qu'on était arrivé à la Bessir. Il y avait une dizaine de prisonniers qui étaient là. La plupart étaient des Algériens. Vers 2h15, ils ont encore ouvert la porte. Ils ont demandé à mon père de venir. M. Dadji, venez nous suivre. Deux jours après, ils nous ont envoyés à la salle d'interrogatoire. Dans la salle de l'interrogatoire, il y avait une chambre. Et la deuxième, il y avait une antichambre où ils avaient des gars qui étaient en train d'être torturés. Il était attaché, assis, attaché, et les mains étaient sur la table. C'était un truc que je ne peux pas oublier. Dites-vous bien, on lui a arraché les 10 ongles avec une pince et il n'a pas bronché. Il n'a pas bronché. Imaginez la scène. À 17 ans, on vous fait voir de telles atrocités. Deux jours après, c'était la même chose. On était venus, on était debout. Et avant tout interrogatoire, il y avait toujours quelqu'un qu'on torturait. Cette fois-ci, c'était quelqu'un qu'on avait pris en abattage. On l'avait attaché derrière le dos. C'était tellement violent que on sentait même ses os craqueler. Imaginez le sort. On nous a posé la même question. On était repartis. Deux jours encore après, on nous fait venir encore. Cette fois-ci, là où on était debout, il y avait un cadavre qui était là, dont le sang gisait. On est obligé de retirer le cadavre pour qu'on soit debout. Deux semaines après, on nous a relâchés. Et on nous a dit, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien su, rentrez chez vous. Maintenant que vous êtes devant M. Senabré, M. le Président, je vous demanderai de lui demander ce qu'il a à lui dire. Qui, moi? Oui. Qui me dise... Qu'est-ce que mon père lui a fait? Et pourquoi cet acharnement sur nous? Qu'il me dise. Et comment il est mort? C'était son compagnon de lutte pourtant. Ils avaient fait du chemin ensemble. Pourquoi? Il pourrait très bien l'enfermer. Mon père était non politique, ça je ne peux pas le nier. On pourrait l'enfermer comme tout autre. Juste le temps de faire des enquêtes, de savoir s'il était impliqué ou pas. Seule la cour et moi voyons que M. Senabré bat du pied depuis 10 minutes. Pouvez-vous lui poser la question de savoir s'il a quelque chose à dire après ce témoignage? Je vous remercie. Si M. Senabré a quelque chose à dire, certainement le dira.
J'étais hôtesse de l'air Air Afrique sur le vol RK351. À l'arrivée à l'escale de transit de N'Djamena, je suis descendue pour aller voir mes parents. Donc, sur la piste de l'aéroport, j'étais interpellée par Abba Moussa, le service de la DDS. Arrivée là-bas au bureau de la DDS, ils m'ont mis dans une petite cellule. Il a pris mon sac à main, ma paire de chaussures, les bijoux que je portais. J'étais seulement avec les habits des hôtesses de l'air, juste la chemise et la jupe. Donc, au camp du martyr, avec mes collègues, on est resté 20 jours. Et après, ils sont venus nous transférer à Ouadidou. L'activité quotidienne à Ouadidou, le matin, on partait puiser de l'eau avec le vent, la poussière, les 20 litres sur la tête. On trébuchait. On lavait les habits des militaires. Et le soir, ils nous utilisaient comme des femmes. On a fait un an à Ouadidou. Ils nous ont amenés seulement comme des esclaves sexuels. Des objets sexuels. Les coups étaient prémédités, puisqu'on nous administrait des médicaments. Et on prenait les 6 femmes, 2 par 2, à tour de rôle. Vous avez dit tantôt, je suis très fier de venir à Dakar pour témoigner dans cette affaire. Et j'en ai même parlé à ma fille, qui l'était tout aussi que moi. Moi, j'ajouterais oui, que vous avez été courageuse aussi. Oui, avant, on n'était pas courageux, mais maintenant, je suis la force, le courage. Vous vous sentez forte. Maintenant, oui. Vous vous sentez forte. Je me sens forte, très courageuse, parce que je suis devant l'homme qui est fort, là, avant au tchat, qui vient s'asseoir maintenant, il ne parle même pas. Je suis vraiment contente d'être aujourd'hui en face de lui, d'exprimer ce que j'ai vécu, mes douleurs. Je suis vraiment fière. Est-ce que vous pouvez nous dire la date, le début de la répression de l'ethnie Sakawa? Ça a démarré la journée du 1er avril 89. C'est le mouvement du 1er avril qui a déclenché effectivement le massacre de Dakar. Mais à présent, je voudrais que vous nous précisiez oui. Les motifs d'arrestation des membres de cette ethnie. Le problème des Akawa avec les Gouans, si on peut revenir en arrière pour essayer de comprendre, c'est qu'ils étaient au cœur du pouvoir du Sénégal. C'est vers 7h, le 1er avril, vers 7h, que j'ai appris que mon mari et ses compagnons ont quitté N'Djamena. Donc, à la fin, vers le 14 avril, j'ai appris par la radio et par les Tchadiens qui étaient à qui vivait à Paris, que Hassan Diamous a été capturé par la force gouvernementale et ramené à N'Djamena. Donc, j'ai essayé de tout faire pour avoir au moins de ces nouvelles, mais mes demandes sont restées sans suite. Et le 25 avril, j'ai appris par la Radio France Internationale qu'il est exécuté. Il est décédé, donc. Et puis le gouvernement, automatiquement, a démenti cette déclaration. Mais je sais qu'il a été exécuté à N'Djamena. Les motifs de cet acte, est-ce qu'on vous les a clairement indiqués? Non.
Je voudrais au moins connaître la tombe de mon mari pour permettre à ses enfants, à sa famille et à moi-même d'aller nous recueillir sur sa tombe. Est-ce à dire que parmi les fosses communes, les endroits où il y a eu des enterrements, vous n'avez aucune indication relativement au lieu où votre mari a été enterré? Je ne sais pas. Et de qui attendez-vous l'indication de cet homme, de l'endroit où il serait, où il est enterré? De M. Hissène après. Pourquoi? Parce que lui, il sait très bien. Il sait quoi? Il sait là où il devait être enterré. S'il l'a jeté dans le fleuve ou s'il l'a enterré, s'il l'a... il sait très bien. Parce que Defin n'est pas n'importe qui. Je vous remercie. J'étais à l'époque, c'est-à-dire en 1989, le chef de département des lettres et linguistiques à l'université de Ngimena. Un agent, c'est-à-dire une personne que je ne connaissais pas, est entré dans mon bureau. Et il me disait, je suis venu pour vous. Et ma première réaction, c'était de lui demander, est-ce que vous avez un mandat d'arrêt? Et il s'est mis à rire, je l'ai suivi, et à la sortie, il y avait un véhicule. Je n'avais jamais vu le bureau de la DDS. On est entré dans le bureau, dans un bureau. Dans ce bureau, il y avait deux personnes. Il m'a demandé de quelle ethnie vous êtes. Moi, je lui ai dit, je suis un Zagawa. Un agent était venu se planter derrière moi, je ne m'en suis pas aperçu. Et il a fait le geste, il lui a dit, porte numéro 4, ou cellule numéro 4. Et c'était vraiment impensable. Quand on a ouvert la porte, on m'a poussé dedans, la chaleur, l'odeur m'a un peu repoussé. J'ai fait un mouvement de recul, donc il m'a poussé. Et il a fermé la porte. Jusqu'au cinquième jour, on m'a fait monter et on m'a présenté devant M. Mahamat Djibril El Diontou, que je connaissais depuis 1984. Et dès mon entrée, il s'est levé debout, il a levé les mains comme ça. Il a dit, mais monsieur le professeur, qu'est-ce qui vous amène ici? Et j'ai dit, mais monsieur le commissaire, vous envoyez des gens me prendre dans mon bureau à 12h30. Et vous me demandez maintenant, qu'est-ce qui m'amène ici? Il m'a dit, mais monsieur le professeur, donc vous ne savez rien. Moi, j'ai dit, mais monsieur le commissaire, je sais quelque chose. Les gens fuient la ville, il y a des arrestations, je sais tout ça. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne me reproche de rien. Il m'a dit, mais monsieur le professeur, il a fait comme ça, monsieur le professeur, la responsabilité est collective. Alors, un commissaire de police vous dit que la responsabilité est collective, qu'est-ce que vous pouvez dire? Eh bien, je me suis tué. Pendant les 15 jours de mon séjour, personne n'est allé aux toilettes. Donc, on urinait dedans, on dormait, on déféquait dedans. On était pratiquement des animaux, c'est-à-dire comme des animaux dans l'étable. Le 15e jour, donc un monsieur que je ne connaissais pas, il a dit, mais qui est M. Fadou, le secrétaire Fadou parmi vous? Et moi, j'ai dit, c'est moi. Donc, il s'est tourné vers moi. Il m'a dit, bon, ben, levez-vous et suivez-moi. Et après, le Bakakarbo m'a dit, mais tu ne sens pas bien. On ne peut pas t'amener dans ta famille, dans cet état. Sinon, les gens, que diront les gens? Tu vas te laver, tu vas laver tes habits, et le soir, je vais t'amener chez toi. Donc, il m'a laissé, c'était donc ma libération comme ça. Et les premières personnes qui n'étaient pas de la maison, qui m'avaient visité, c'était deux Américains de la Société internationale de linguistique.
Mais je n'avais jamais vu des blancs pleurer. Donc quand ils m'ont vu dans cet état, ils se sont mis à pleurer. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce que la peau était partie. Toute la peau était partie, j'étais méconnaissable. Les cheveux frisottaient, je n'étais rien de moi-même. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on t'a tapé? Moi, j'ai dit non, on ne m'a pas tapé. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Moi, j'ai dit qu'il y a la chaleur, il y a le manque de nourriture. Il y a aussi cette idée que j'allais mourir. Donc, il y avait tout ça. Mais vous avez perdu énormément de membres de vos familles. Vos frères ont disparu. Vos sœurs sont devenues des veuves. Pouvez-vous préciser votre pensée par rapport à cette nécessaire réconciliation nationale qui revient souvent dans votre discours? Je suis un croyant. Et dans notre culture de musulmans, on prône, je crois que le pardon. Le pardon passe avant la vengeance. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il y ait d'abord la justice. On pardonne à quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Mais à partir du moment où on n'a pas de réponse, on n'a pas de parole, on n'a pas rien, même si on dit aujourd'hui, libérez Hyssen, allez-y, réconciliez-vous. Alors, vous allez me donner la méthode par laquelle nous allons nous réconcilier. Monsieur Abré, pensez sérieusement et en toute bonne foi, il pensait bien agir. Alors, dans la situation du Tchad à l'époque, avec tous les périls qui guettaient l'indépendance nationale, avec toutes les menaces et hypothèques sur l'intégrité du territoire, que fallait-il faire? Il fallait lutter contre l'ennemi sans exterminer son peuple. C'était difficile pour les Tchadiens. Et c'est difficile pour nous de dire que M. Hyssen Abré n'était pas au courant de quoi que ce soit. Quand lui-même, il élabore une machine, il la contrôle, il prend le soin d'huiler cette machine-là, de s'assurer qu'elle marche. Il a même créé une commission qui était chargée de punir les agents de la DDS qui ne faisaient pas correctement leur travail. Il y a des agents de la DDS qui se sont retrouvés en prison. Monsieur Bondjim, agent de la DDS, il s'est retrouvé en prison. Monsieur le Président, messieurs les juges, derrière tout cela, derrière ces disparitions, ces décès, ces personnes sorties handicapées des geôles de la DDS, derrière tout cela, il y a un responsable. Ce responsable est bel et bien Monsieur Hyssen Abré. Monsieur le Président, le ridicule ne tue pas. Nourri à la sève de l'Occident, où il a fait ses humanités, soutenu par cet Occident dans les guerres fratricides, ce n'est pas cet homme-là qui se cache sous son turban qui peut aujourd'hui crier au complot, à l'impérialisme. Ce n'est pas également cet homme qui doit s'insurger contre la légitimité d'un tribunal, lui au moins qui a eu droit à un procès. Face aux témoignages poignants des victimes, Abré a répondu par le silence. Aucun mot de repentir à l'endroit de ses compatriotes victimes des atrocités les plus cruelles. Les crimes qu'il a commis portent atteinte aux valeurs humaines les plus fondamentales et les plus protégés au niveau international. Ils doivent être réprimés à la mesure de la gravité de ces atteintes.
C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je requiert qu'il vous plaise prononcer la condamnation de Hissène Habré à l'emprisonnement à perpétuité assorti de la confiscation de tous les biens et objets saisis au cours de la procédure ouverte devant les chambres africaines extraordinaires. Sur ce, je vous remercie. Certains peuvent se dire il y a des choses qu'il ne peut pas ignorer. Il y a des choses que M. Hissène Habré ne pouvait pas ignorer. Mais dites-nous ce qu'il savait. C'est ça qu'on vous demande dans les motifs de votre décision. Les preuves de ce qu'il savait. Nous vous demanderons d'acquitter le président Hissène Habré, puisque les éléments du dossier qu'on vous a présenté ici ne comportent pas une assise factuelle, objective, rapportée à l'article 414 du Code de procédure pénale qui puisse justifier une condamnation, a fortiori une condamnation à perpétuité, comme demandé par le parquet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Bien, la Chambre africaine extraordinaire d'assises rouvre l'audience d'aujourd'hui pour rendre sa décision dans l'affaire Le Parquet contre Hissène Habré. Le verdict. Hissène Habré, la Chambre vous déclare coupable des crimes contre l'humanité de viol, d'esclavage forcé, d'homicide volontaire, de pratiques massives et systématiques d'exécutions sommaires, d'enlèvement de personnes suivies de leur disparition, de torture et d'actes inhumains visés aux articles 6A, B, F et G du statut. En application de l'article 10.4 du statut, des crimes de guerre d'homicide volontaire, de torture, de traitement inhumain et de détention illégale, et des crimes de guerre, de meurtre, de torture et de traitement cruel visés aux articles 7.2a du statut. Quant à la peine, dans l'évaluation de la peine, la Chambre a notamment pris en compte l'extrême gravité et l'ampleur des crimes pour lesquels l'accusé a été déclaré coupable. Elle a aussi tenu compte du fait que ces éléments de crime ont été commis de façon ininterrompue pendant 8 ans, pendant toute la durée du règne de Hissène Habré. Ces crimes ont fait des milliers de victimes, nombre d'entre eux ou d'entre elles souffrant 30 ans plus tard, toujours des conséquences de ces crimes. La Chambre a également tenu compte du décret d'implication de l'accusé dans la commission de ces crimes. En particulier, la Chambre note le rôle central du chef d'orchestre que Hissène Habré a joué dans la répression tous azimuts de la population civile. Hissène Habré qui concentrait tous les pouvoirs, président de la République, chef suprême des armées, puis à partir de mars 1986, ministre de la Défense, a créé et entretenu un système où l'impunité et la terreur faisaient loi. Il était à la tête d'un régime de suspicion généralisée, si paranoïaque, qu'il se retournait même contre ses propres agents. La Chambre a également retenu que Hissène Habré a commis à 4 reprises le crime de viol contre une victime particulièrement vulnérable. La Chambre a également considérer le mépris insultant de l'accusé à l'égard de la Chambre pendant toute la durée du procès. Outre un turban derrière lequel il a constamment caché son visage, l'accusé a fini par porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux. Il a aussi refusé de se lever à chaque entrée et sortie de la Chambre, mais n'a pas hésité à se faire acclamer par quelques supporters à chacune de ses propres sorties de la salle d'audience. En outre,
Hissène Habré n'a montré aucune compassion vis-à-vis des victimes, ni exprimé des regrets quelconques pour les massacres et les viols qui ont été commis. En conséquence, Hissène Habré, la Chambre vous condamne à la peine d'emprisonnement à perpétuité.